Greetings, Erythemic Stroker. Today I suggest you an update for ETS to 139 based on EuroNet map. To do this, I'm using here the new EAA 5.5. Even if it's still the same name, this map has been updated especially for ETS to 139. So if you get the 138 5.5 EAA, you will have to read and load it to play it. Down here we get PG Indo. On top of that, we have AfroMap. Here we have MedMap, Rhodes, Tiny Island. We'll find Paris Rebuilt. Here is Swedish Islands. We have many places from EuroNet. There is also, where is it? Here. New map, which is called Inner German Border. And there is also Poland adding mode. On top of that, we have North map. And here is the new 2.3.1 Rust map, a new version that has been edited yesterday. And there is already a fix for the map file. We will see that when we will see the load order. Down here we get RAW extended version 2.8. This is the paid version with the road connection to southern region. And you can load also the free version of RAW extended, which is 2.5. The difference is that you won't get the road connection here, and some cities here won't be on the map. We have the new Peter for Rust map with SZM, and there is the road connection Yershov from Russia to the grid step. And here we have Volga map. From the grid step, we have Caucasus reaching Turkey map. Let's have a look to the load order. At the bottom of the mod manager, you get here AfroMap version 2.2, and you will have a red circle here on your mod manager. You have to open the archive with 7-zip, and then you open manifest.sii file, and you change 137 to 139. You can open it with Notepad++ or Blocknote. Then you save and you can play it. Here is PG Indo, still beta version 2.7, assets and models 2, assets and models 1, def and map file, and the ferry connection between AfroMap, PG Indo, and Italy. Here we got EuroNet, then North map, the grid step model, map, def, and the grid step listen plates fix. You will have to make a second download then to change def and map file that has been updated. Southern region model 2, model 1, def and map file. Volga map model, map, and def, and there is also a fix for the map file, exactly the same way than the grid step. We'll have to make a second download and replace it. Here we get base mappa EAA 5.5, the new version done for 139, even if it's called 5.5 as the previous version for 1.38, you'll have to make a second download for it. The base mappa, mappa, and EAA caps fix, which is an English city name. Here is an optional ferry connection between Montevideo, Algiers, Cagliari, and Tunis that allowed you to go to EAA without necessarily going back to Calais, to Europe, if you are playing with PG Indo and AfroMap. Rust map model 2 package, model package, map package, and def package, and there is already a fix
to replace the map file because there were a broken road around Vyborg. Here is a fix for Southern Region. EAA and RossMap fix. Peter for RossMap, the new one, 2.3.1. Here we get Yershov, which is a road connection between RossMap and the grid step. SZMadon, MedMap, RODES. Here we have Poland Detail Adding Mode, Turkey Map Southern Region Road Connection, Project Caucasus, and then we have RAWX files. Here is the paid version. You can use the free version. The load order is exactly the same. File 4, 3, 2, 1. If you use the paid version, here is a road connection V2. If you use the free version 2.5, don't load this file. Here is RAW Extended 2.8 or 2.5 road connection to the new RossMap 2.3.1. And this is universal English localization that will translate city name for the following maps, which are the grid step, RossMap, Southern Region, Volga Map, Project Turkey, Romania Extended, and Project Caucasus, RossMap Yershov add-on, to be precise. And this is the version 1.2. Here we get Paris rebuilt, Swedish Islands 1.02, 1.10 is only for promos, German border, House in Italy. And here are optional modes. We get a no roadblock plus everything passable. That means that you won't get these white and yellow things on the roads. Here is road advisor, middle mirror, to get mirror just in corner. And there are two or three versions. You can have a large mirror, middle mirror, mini mirror. So it's up to you. Here is Renault T Piano black parts. If you are using another truck, you can place your skin mode here. If you want to use different kind of engine pack, place it just above your skin. If you are using sound mode, just place it above engine packs. Then I'm using track physics. This one is from Alex Kazak. Realistic graphic mods by Frank64 that you can download directly from the workshop. Here is background for Europe, Africa, Asia, etc. This is a crash fix that you can use or not according to the crash that you can have when you zoom on the map. This is not mandatory. I don't have crash, but if it happens to you, you know that you can set your problem with this. And on top of that, we get full screen world map to get the map in full size. Wish that this video is useful and that you will enjoy to drive on ETS2. Thanks to give me thumbs up and to subscribe to my channel. Turn on the bell to get notifications to receive the new video I will publish. See you! Salutations, c'est MX Trucker. Je vous propose aujourd'hui un combo sur la base de Euronet avec ETS2 en version 1.39. Pour ce faire, nous allons retrouver ici l'énorme carte de EAA, le Brésil. Alors ne tenez pas compte de ce trait, c'est dû à un problème d'échelle entre cette carte et le Royaume-Uni. A savoir que cette carte s'appelle toujours EAA 5.5, mais elle a été adaptée à la version 1.39 de ETS2. Donc si vous avez l'ancienne version en 1.38, il va falloir la retélécharger. Nous trouverons ici PG Indo, AfroMap, nous avons ici MedMap,
ici, l'île Rhodes. Nous retrouverons Paris Rebuilt, Swedish Islands. Tout en haut, nous avons North Map. Ici, en gris, nous avons les différents secteurs retravaillés par Euronet et une nouvelle petite carte qui s'appelle Inner German Border, voilà, qui est ici. Nous allons retrouver également Poland Detail Adding Mode et la toute nouvelle carte qui est une mise à jour de la précédente de RusMap, donc qui va jusqu'en haut, le Murmansk, qui vient là avec de nouvelles routes, connexions pour Raw Extended qui est ici en version 2.8, à savoir que la version gratuite 2.5 fonctionne très bien. La différence entre la 2.8 et la 2.5, eh bien c'est qu'ici vous avez un peu plus de villes et puis surtout vous avez la connexion de route pour aller vers le Southern Region qui n'existe pas dans la version gratuite. Ici donc, Southern Region, nous retrouvons également la nouvelle carte de Saint-Pétersbourg. Nous avons ici le SZM, toujours la route connexion allant de la Russie vers The Great Steppe en passant par Volga Map. Vous pouvez redescendre depuis Atero jusqu'à Bakou via Caucasus pour rejoindre la carte de la Turquie. Voyons tout de suite l'ordre de chargement. Tout en bas, nous allons retrouver AfroMap en version 2.2. Alors vous allez avoir ici un point rouge à la place du point vert. Et pour ce faire, vous devez ouvrir l'archive avec 7-Zip, puis soit avec Notepad++ ou avec Blocknote, vous ouvrez le fichier manifeste.sii et vous remplacez 1.37 par 1.39. Vous enregistrez et vous pouvez jouer. Nous avons ici PG Indo en version 2.7 bêta, Assets et modèle 2, Assets et modèle 1, Def and Map File. Ici, nous avons le Ferry pour AfroMap, PG Indo et l'Italie. Nous avons juste au-dessus Euronet en version 1.0.A, NorthMap, puis The Great Steppe, modèle Map Def. Et ici, un petit fixe pour les plaques d'immatriculation qui n'apparaissent pas soit sur les voitures ou les camions. À savoir que pour The Great Steppe, vous devez d'abord télécharger intégralement les trois fichiers et ensuite, vous devrez faire un second téléchargement pour remplacer les fichiers DEF et le fichier MAP. Southern Region, modèle 2, modèle 1, DEF and MAP. Volga Map, modèle, MAP. Et DEF, là aussi, vous devrez faire un second téléchargement pour remplacer le fichier MAP qui a été mis à jour. Ici, la nouvelle carte de IAA ou EAA en version 5.5, mais qui a été faite pour la version 1.39. Donc si vous avez la version précédente 5.5 pour 1.38, elle ne fonctionne pas, il faut donc retélécharger le fichier base MAPA, MAPA, et IAA Capfix, qui n'est autre que les noms en anglais sur la carte. Ici, une option, une connexion ferry entre les villes de Montevideo, Alger, Calizari et Tunis, de façon à pouvoir aller de PG Indo ou de AfroMap vers le Brésil sans avoir à repasser par l'Europe. Juste au-dessus, ici, nous avons RusMap, modèle 2 package, Model Package, Map Package et Dev Package. Bien que la map soit sortie hier, il y a déjà un fixe qui permet de corriger des routes qui étaient cassées aux alentours de Viborg. Donc il faudra faire un deuxième téléchargement pour remplacer le fichier map. Juste au-dessus, nous avons un fixe pour Social Region V9, de façon à corriger les problèmes de texture. Juste au-dessus, un fixe entre le Brésil et la Russie. Peter Forest Map en version 2.3.1, tout nouveau. RusMap Add-on Airshow, c'est une route connexion pour aller vers The Great Steppe. Ici, nous avons SZM Add-on, MedMap, Rhodes, Poland Detail Adding Mode, la carte de la Turquie avec
la Road Connection pour aller vers le Southern Region, Project Caucasus qui va de The Great Steppe vers la Russie, vers la Turquie, pardon. Ensuite, nous avons ici Raw Extended, alors que ce soit la version payante 2.8 comme ici, ou la version gratuite 2.5, l'ordre de chargement est le même. Les fichiers sont 4, 3, 2, 1, et si vous utilisez la version payante, alors vous avez ici une Road Connection en version 2. C'est une nouvelle version donc qui permet d'aller de Roex vers le Social Region. Si vous utilisez la version gratuite, ne mettez pas ce fichier dans votre mode manager, vous feriez crasher votre jeu. Juste au-dessus, et là par contre ça concerne les deux versions 2.8 et 2.5, comme indiqué ici, pour aller de Roex Extended vers la Russie. Universal English Localization pour traduire en anglais les noms des maps suivantes. The Great Steppe, Russ Map, Ershov, Southern Region, Volga Map, Turkey Map, Romania Extended 2.5 ou 2.8 et Project Caucasus. C'est donc la version 1.2 qui a été mise à jour. Au-dessus, nous avons Paris Rebuilt, Swedish Islands, German Border, House in Italy. Ce qui est au-dessus est optionnel, mis à part les backgrounds, les fonds de cartes qui eux sont obligatoires. Vous pouvez utiliser par exemple un no roadblock, ce qui enlèvera les triangles blancs, jaunes que l'on voit sur la route. Vous pouvez utiliser le route advisor qui vous donne la possibilité de choisir d'avoir des rétroviseurs plus ou moins grands et puis d'avoir le GPS en version tête haute. Vous pouvez utiliser des skins pour vos camions en les plaçant juste au-dessus. Vous pouvez utiliser différents moteurs pour vos camions, pour ceux qui ont envie d'avoir quelque chose qui fait 1000, 1500 chevaux, ou tout simplement avoir des moteurs de 700 chevaux dans un Renault. Ici, vous pouvez placer vos modes son. Là, nous avons le truck physique qui a été créé par Alex Kazak et qui donne des suspensions un peu plus souples, une conduite très différente et très agréable. Realistic Graphic Mods par Frank64 que l'on peut télécharger directement depuis le workshop. Ici, par contre, ça devient obligatoire, il faut installer le background satellite qui est prévu ici pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Un optionnel crash fix si vous rencontrez des problèmes lorsque vous zoomez sur la carte, alors sachez qu'il existe ce petit fixe qui peut être très utile. Et au-dessus de ça, c'est optionnel, mais je le trouve très pratique, le Full Screen World Map qui permet d'avoir la carte en plein écran. Voilà pour ce map combo, j'espère que vous aurez de nombreux et joyeux kilomètres. Merci de m'accorder des pouces positifs, merci de souscrire à ma chaîne en activant la cloche de façon à recevoir les notifications des futures vidéos que je vous présenterai. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.